Salam alaikum les servis, bienvenue à la TV de Tata. Salam alaikum les gens, j'ai essayé cette robe, elle m'a mis dans une ambiance bohème, champêtre ma foi. Non franchement là j'ai eu un coup de cœur. Donc aujourd'hui on va essayer des vêtements de chez Shein que j'ai reçu gratuitement, J'ai sélectionné des pièces, ça c'est un des trucs que j'avais demandé, que je comptais même pas recevoir. Mais il y a des pépites de ouf, donc je suis trop contente. Parce que le colis n'allait jamais arriver et du coup ils m'ont fait refaire une sélection que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. Je suis bien contente parce qu'elle vous plaît, ça fait grave plaisir. Donc merci pour vos likes et vos commentaires d'amour. Bref, on commence par cette robe ou pas? Oh là là. Oh non non, comment je la kiffe, comment je la kiffe. Ah non mais c'est d'une beauté, ça c'est totalement moi. J'ai demandé en XS, elle est absolument sublime. Franchement, il y a une doublure, on voit pas ta culotte, mais qui a une échouelle. Ah, j'avais pas vu la race, mais c'est pas grave. On voit pas la culotte, franchement, elle est. Comme elle est. Le tissu est épais, elle tient bien. Tu vois, t'as pas un risque qu'elle s'envole, comme ça. Sauf ici, il y a une tempête ou les échappes. Bref, elle est magnifique, mais vraiment, la qualité des filles, c'est un truc de fou. J'ai mis le mauvais soutien-gorge, mais on s'en fout, hein, parce que voilà, il est tard. J'en profite que mon chéri soit parti au foot pour tourner cette vidéo. Et franchement, je suis tombée love de cette robe. Mais c'est un truc de main. Je vais pas rester 10 ans sur la robe. Mais franchement, cette robe, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Moi, je kiffe et je vais vous dire tout de suite le prix. Fabuleuse robe. Coûte 20 euros. Elle est soldée à 20 euros, lui 31. Et franchement, elle est magnifique. C'est un truc de malade. Je la kiffe. La qualité est irréprochable. C'est incroyable. C'est clair qu'à 31 euros, c'est un peu cher, tu vois. Mais franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment canon. Donc la coupe est parfaite. Je l'ai pris en XS. J'avais peur de ne pas la fermer. Mais en fait, c'est parfait. Donc je suis vraiment très contente. Elle marque bien la taille. Elle me serre pas. Je passe ses coins. J'aime trop. Elle est trop magnifique, cette robe. Franchement, bravo, Shein. Voilà, elle est un peu froissée. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais la mettre demain après le sport. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Je suis tombée là. Oh, truc de fou. Ensuite, deuxième gros coup de cœur. Franchement, elle est magnifique. La matière, c'est de la mousseline. Avec d'autres spats, ça sera mieux. La matière, c'est de la mousseline. J'adore cette matière. En été, vous êtes vachement à l'aise, tout ça. Je pensais que ça allait être plus transparent que ça, mais au final, ça va. Et elle coûte 21 euros. Franchement, ça vaut le coup de ouf. Après, moi, je suis petite. Il faut se fier à ça aussi. Je fais 1m58-59. Ça fait des années-lumière que je ne me suis pas mesurée, mais je sais que je fais entre 1m58 et 59. Je ne suis pas grande, quoi. Donc franchement, elle est magnifique. Elle est doublée, nickel. On voit pas ta culotte. Que demande de la peuple. J'adore. Elle est vraiment belle. Elle tourne aussi, j'adore. Quand j'étais petite, je voulais trop des jupes lambadas, je disais à ma mère. Bref. Bon, à la base, j'aime pas trop quand c'est comme ça, cette matière-là de... Tu vois, j'aime pas trop. Mais là, ça me dérange pas parce que ça sent très bien la taille. C'est du XS, elle me va parfaitement. C'est nickel. Les bras, ils sont pas du tout serrés. Je suis en train de perdre tous mes bras. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo lundi prochain, ça fera 4 semaines que je fais une diète et un nouveau training. Et j'ai jamais vu des résultats aussi rapides que maintenant. Donc je vous dirai tout avec les centimètres perdus, les photos avant-après que j'ai envoyées au coach. Et voilà, bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et voilà. Donc franchement, elle est magnifique, j'adore. Il y a des petits détails dorés dessus, elle est trop trop belle les filles. Je sais pas si vous verrez d'ici, mais il y a des petits détails. Ce bandeau, ça fait un peu trop... Alors voyez, je vais l'enlever. Bref, il y a des petits détails dorés qui sont absolument magnifiques. Franchement, elle est magnifique. J'adore. C'est totalement mon style. J'aime beaucoup trop. On est à l'aise. Elle n'est pas transparente. Donc, j'ai mis un soutien-gorge blanc. Voilà, elle n'est pas transparente. Pour le soutien-gorge, je parle. Parce qu'en haut, c'est tout en finesse. Tu vois. Bref, j'adore. Elle est magnifique. Je vous la conseille vivement. Ça, c'est vraiment deux coups de cœur. On commence bien. J'adore. Ouloulou. Alors, ensuite. Bon. Là, la robe est magnifique. Je l'ai pris en S parce que j'avais peur qu'elle ne ferme pas. Mais au final, j'aurais grave pu la prendre en XS. J'aurais vraiment grave pu parce qu'il y a de la marge. Bref, cette robe est canon. La couleur est canon. Elle est absolument pareille que la photo. Il n'y a rien à dire. Je vous la mets ici, la photo. Les manches sont transparentes. Elle est vraiment magnifique. Qualité irréprochable. Seulement, trop décolleté, tu le décolletais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà pas de nichon. Tu vois, j'aurais dû la prendre en XS. Ça aurait été plus cintré. Et ça va être compliqué de faire un point. Donc je pense qu'avec un petit débardeur blanc en dessous, ça passerait. Ah non, non. Avec un bandeau blanc, ça va passer crème, je pense. Mais ça, c'est relou, quoi, tu vois. Ou alors avec des
dessin que tu colles, tu vois. Mais elle est sublime. Je ne l'ai pas fermée jusqu'en haut parce que mon chéri n'est pas là. Je pourrais être en galère pour la suite de la vidéo. Et elle est magnifique et la qualité est irréprochable. Et là, elle est soldée à 13 euros, je crois. 13,49€, non mais c'est un truc de ouf. Il y a une doublure, bon, doublure assez transparente, mais les deux matières s'assemblent pour éviter qu'on voit notre culotte, je pense. Bref, elle est canon, hein. Elle est canon, mais trop décolletée. Pour ma part, voilà, je mettrai quelque chose en dessous, un bandeau blanc, c'est clair et net. Ou alors un joli soutien-gorge, peut-être, avec, tu sais, des croisements, là. Bon, mais elle est très très belle, hein. Il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. J'aime beaucoup l'imprimé, j'aime beaucoup la couleur. Et tu vois, j'aurais grave pu la prendre en XS. Parce que là, il y a grave de la marge. Et je vous dis, j'ai grave perdu depuis 3 semaines. Donc, allez, elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Si dommage. Donc, ensuite, cette robe, je l'ai mis la dernière fois en sortant de la salle. Comment te dire que j'ai regretté de l'avoir pris dans mon sac. Elle est trop courte pour ma grandeur. Donc, si tu fais 1m80, oublie. Ça va être un crop top, le machin. En plus, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu transparente. Oui, elle est transparente. Je suis sortie comme ça de la salle, j'avais le seum. Bref, elle coûte 8 euros. Elle est un petit peu transparente, les filles, je vous aurais prévenu. Et pour ma part, elle est trop courte. Je suis pas du tout à l'aise avec cette longueur dans une robe. Après, je vais essayer des shorts. Ça fait bien, des shorts, c'est trop court. C'est des shorts. Tu vois ce que je veux dire? Quand je m'assois, j'ai pas peur qu'on voit ma culotte. Qui osera parler, c'est pour moi. Les personnes qui lèvent. Voilà. Donc cette robe, non merci, bien bonjour. Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Il est tard, je suis fatiguée. Donc cette robe, je la garderai pour la maison. Pour allumer mes chemises, pourquoi pas. Mais pour sortir dehors, voilà. Quoi, je suis pas du tout à l'aise. Merde, transparent. Non, c'est pas grave. Attends, j'ai pas trop compris le système. Alors il y a une meuf, elle a marqué que c'était un peu compliqué à la mettre. Je suis un peu teubée moi en plus, faut pas me compliquer la tâche. Attends, pour l'instant j'aime bien. Par contre j'ai pris en S, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas de bzezoul.com, ils sont là. Voilà, ce qui est la pauvrette. Donc elle coûte 18 euros quand même, il se touche un peu, hein. Je vais te dire franchement. Qui fait je crois que c'est non. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi elle a dit c'est compliqué. Ah ouais, ok. Alors attends, franchement j'adore, je suis pas fan du motif animalier, tu vois. Je suis pas du tout fan, mais quand je l'ai vu sur la meuf, elle était mignonnette. Je vous mets la photo ici comme d'hab. Là c'est doublé, il y a une doublure noire assez transparente, mais on s'en fout parce que généralement les motifs comme ça, ça cache tout. Donc, bueno, dans ce cas-là, c'est un stand des lignes. Alors attends, je crois que c'est comme ça. Je vais voir si la meuf elle attache dans son dos. Ah non, elle attache sur le teco, excuse-moi. Donc on va l'attacher sur le teco, ça centrera notre taille. Oh, j'aime beaucoup cette robe. Tu vois, je suis assez surprise. Oh, parler au samba. J'ai envie d'aller à la jupe là, ma parole. Poulop. Bref, non mais en haut c'est un peu grand. Et puis le soutien-gorge, ça va pas du tout, ma chérie. C'est pas grave, Marie, on s'en tape. Donc, franchement, elle est canon. Elle est vraiment canon. Si vous avez plus de nichons que moi, vous apprécierez d'autant plus que moi, j'ai envie de te dire. J'adore la coupe. Tu vois, la coupe, elle est parfaite. Franchement, je kiffe. Alors ensuite, j'avais demandé des sabates, mais 1, 2. Je trouve qu'elles font un peu cheapos, tu vois. Elles existent en noir. Elles coûtent 13 euros. Tu vois, c'est holographique, Zama, mais je trouve que la matière fait un peu cheap. Je sais pas, tu vois. Il me semble que c'est la copie des sandales Hermès. Je sais pas si vous verrez holographique du bail. Mais bref, je pense qu'avec ça, ça peut-être... faire quelque chose de sympathique. Ouais, je trouve qu'elles font un peu cheap. Bon, elles sont bien jolies, ok, ça passe. Je suis holographique, je suis fun, quoi, tu vois. Mais voilà, je trouve que la matière, elle fait un peu cheap. Je pense qu'en noir, elles sont beaucoup plus jolies, ces sabates. Je sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Voilà. Donc, cette robe est vachement sympathique. Je pensais pas aimer à ce point-là, tu vois. Franchement, la coupe, elle est super belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, voilà. Team, pasdenichon.com, manifestez-vous aussi, on est ensemble la famille. On passe à la suite. J'aime beaucoup. Et quand tu marches, c'est subtil, c'est sensuel, c'est subtil, c'est sensuel. Heck, heck, choufi, il y a petit. Rien de. Tout est subtil chez nous. Donc ensuite, j'avais demandé ce legging qui coûte 13 euros. C'est du S, donc ça se voit que je vais le mettre une fois, il va être trop grand. Mais la qualité, les filles, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Franchement, il n'y a rien à dire. Tu vois, tu squattes, il n'y a rien qui se voit. Non, c'est un truc de ouf. Franchement, il est épais, il est incroyable. Sans déconner, c'est un truc de ouf.
D'ailleurs, si vous commandez des pièces, n'hésitez pas à me faire votre retour, ça me fait hyper plaisir, sincèrement. Désolée pour la lumière, elle est dégueulasse, mais on est le soir. Non, franchement, c'est un truc de fou, ce legging, là. Il est magnifique, sincèrement. Bien épais, bien gainant. Il est vraiment très épais. Il n'y a rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus, il est canon. Je voulais changer un peu de couleur, vert, pourquoi pas, ma foi. Voilà. Ça, c'est un top débardeur de chez Lidl, que je vous avais dit dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, il y a une fille, une sahbi qui est à moi qui en a acheté, elle était contente, donc je suis contente moi-même. Voilà, j'aime trop, il cintre bien, tu vois, il taille parfaitement. Je kiffe. Donc celui-là, nickel. Par contre, si vous faites comme moi du XS, c'est dommage. Il n'y a que du S, donc ça passe, hein, mais je sais que, tu vois, je vais le mettre une journée, il va être archi ample. Bref. Donc ensuite, Total Look Shield, mes amis. Franchement, c'est un truc de ouf, je kiffe. Cette tenue-là, j'aime beaucoup trop. Pourquoi j'ai baissé ma caméra? Alors déjà, il y a ce petit top avec des détails en dentelle. J'aime beaucoup, c'est trop mignon. Franchement, il est grave mignon. Les chaussures que vous allez voir, elles coûtent 22€. Le top, je vais vous dire ça juste après. 22€ les chaussures, pardon. Le petit top, il coûte une misère. Il existe en plein de couleurs. Il coûte 4€. Non, il existe en blanc, Nathalie. Il coûte 4€, je le kiffe. Il est magnifique, il est blanc. Donc j'ai un soutien-gorge beige en dessous et ça se voit pas. Et le pantalon, il coûte 8€. Donc 8, 9, 10, 11, 12, plus 22. Voilà, ça fait une tenue. Je kiffe. Un truc de malade, je kiffe. Les bottes, elles sont trop belles. C'est un talon carré, donc c'est plutôt confortable. J'ai pas l'habitude de marcher avec des talons, j'en mets jamais, mais voilà. Le fait de persister. Bref. Ça fait du bien. Oh putain, c'est pas vrai, c'est moutant. Ça fait du bien de se voir habillé, parce que ça fait vraiment que je m'habille en legging, je vous cache pas que ça fait du bien. Bref, cette tenue est incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'adore. Le pantalon, il m'a pas l'air d'être transparent. Et c'est du S, donc c'est du S et comment dire, il y a un petit peu, je suis pas coincé dedans quoi, tu vois. Mais il est magnifique et j'adore et franchement, cette tenue elle est incroyable. Petite miniature, c'est une patoche, tout en finesse. Ça fait du bien de me voir en gonzesse, c'est incroyable. Donc, franchement, je kiffe. Pour l'instant, c'est un sans faute. J'adore, franchement, les chaussures sont de très bonne augure. Sont de très bonne qualité, en effet croco, comme ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais franchement, ce petit top fait tout son travail. J'adore cette tenue. Je suis pressée de lire vos avis là-dessus. Donc, ensuite, j'ai demandé ces sbats, mais franchement, elles font, je sais pas, je préfère les autres que je vous ai présentées avant. Je pense que c'est la couleur qui me passionne pas des masses. Je trouve qu'elles font pas quali en fait, là, les bretelles. Là. Je sais pas, mais bon, on va essayer avec la combinaison qui coûte 17€ que j'ai pris en je ne sais point, je vous dirai. Bon, j'ai rajouté une petite ceinture qui vient d'ailleurs de chez Shein, mais ça date. Et d'ailleurs, celle-là, elle taille plus petit que les autres que je vous ai présentées dans ma précédente vidéo. Non, mais les chaussures avec la ceinture à l'orbillette.com, ça va pas du tout, ma chérie. Donc, de toute façon, je vais l'enlever pour vous montrer le machin. Ce que je kiffe, c'est qu'elle n'est pas trop longue. Pour ma taille, tu vois, elle est comme ça et normalement c'est cintré. Je pense pas qu'il y a forcément besoin de ceinture, mais je voulais essayer. Bref, et tu vois, celles-là elles sont plus pincées que les autres. Elles me vont, tu vois, il n'y a pas de galère, mais c'est pile poil mon yep quoi. C'est pas, il n'y a pas de marge possible. Bon, la combinaison est très belle en fait. Moi je savais que le vert m'allait bien au teigne, ma foi, pour une fois que je me complimente. Donc je me suis dit, on va tester la matière, j'adore, et la matière du pantalon aussi, elle est merveilleuse, franchement. Donc la matière j'adore, je sais pas ce que c'est très doux. Bref, elle est très mignonne, j'adore les petits nœuds sur les épaules. Mais je sais pas si elle est transparente parce que je suis Niro, mais je pense pas. Je sais pas, je ne pense pas. J'aime beaucoup, on est fluide, on est à l'aise, que demande le peuple. J'apprécie particulièrement. Non, franchement elle est jolie. Elle est jolie. D'ailleurs vous avez un code promo, je vous l'ai mis en début de vidéo. Donc ça vaudra plus le coup que son code promo, parce qu'elle coûte quand même 17€. Ma coiffure elle se barre en vrille, non. C'est pas grave, maliche. Non, franchement j'aime beaucoup. Encore une fois, j'ai pas le bon soutien-gorge. C'est un peu ample, mais je pense que c'est la coupe. Et ça me dérange pas des masses. Donc on va essayer une dernière combinaison. Et ensuite on va passer à mes complexes. Donc cette combinaison, ça je l'ai demandé en S, j'aurais pu la prendre en XS, c'est pas grave, merliche. La meuf elle porte un sac en osier, donc on va faire pareil, tu vois ce que je veux dire. Non, ça va pas du tout avec ses chaussures. Fashion, faut pas, merliche, c'est pas grave. Mais c'est les chaussures de chez Shein et je les aime trop.
Elles sont trop mignonnes. Mais ça va pas. Avec. Oh, bébec. Donc, j'ai mis un petit sac en osier, un rack-tac. J'aurais pu grave la prendre en XS. Si vous la kiffez, prenez votre taille. C'est bien trop grand. En plus, je vais encore perdre du poids. Je fends à vue d'œil, ma foi. Donc, ça, ça va pas non plus. Comme je crois que les autres se battent, elles ont fait des problèmes sur le sol, elles ont fait des taches, là. Bref. Donc, cette combinaison parfaite, la matière. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche. Donc voilà, elle est très jolie. Franchement, elle est très très belle. Il n'y a rien à dire. Je ne peux pas critiquer cette tenue qui, ma foi, me valorise malgré sa grandeur. Non, j'aime beaucoup. C'est totalement mon style, ça j'adore, moi, ce genre de tenue en été. T'es tranquille, t'es féminine. J'adore. Les motifs sont très beaux. Elle ressemble à la photo. Pas de problème. Donc, ensuite, j'avais demandé ce top là qui coûte 4 euros. C'est un peu une matière maillot de bain. Ça va pas du tout avec ce que je porte. C'est un peu une matière maillot de bain, mais bon, il est mignon, il est joli, pourquoi pas. Bref, ensuite, je vais vous montrer, j'avais pris un tailleur. Changement de vie pour un nouveau look, tu vois ce que je veux dire. C'est pas du tout mon style, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, il faut que je leur dise la qualité, c'est pas possible, tu vois. Moi, tout ce que je mets pas, je le donne, ou des fois je vends, ça m'arrive, oui, de vendre pas cher, je suis désolée. Ça, c'est un ensemble qui coûte quand même 62,99€. Donc je me suis dit, il faut que je vois. Et franchement, je suis grave choquée de la qualité, c'est un truc de malade. Déjà, l'intérieur est doublé parfaitement. Franchement, dingue. C'est pas des vraies poches. C'est pas des vraies poches. On s'en tape. C'est la catégorie Chine Premium. Bon, je vais demander en S. Le pantalon est long, est trop grand, est un peu trop grand. Mais quel ensemble. Franchement, il est magnifique. Je voulais me voir là-dedans, je sais pas pourquoi. Je voulais me prendre pour un premier ministre, excuse-moi. I'm sorry guys, ça me fait trop bizarre. Oh là là, la ceinture elle fait 6 mètres de long, wesh. Il y a, ça c'est un peu dommage, ils ont mis un fil pour faire passer la ceinture. Si t'es un peu brut, en 2 secondes il est mort le queutru. C'est un peu dommage à ce prix-là, 62,99€. Je répète, mais franchement la qualité de l'ensemble, c'est un truc de malade. Par contre, prenez votre taille, les filles, parce que c'est bien trop large à la taille, je le sens. C'est grave trop large. Et ce passon, ouais, il ne plaît pas des masses. Mais on va dire que sur un manteau à 100€ de chez Zara, ils avaient fait la même chose. Donc, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est pas les seuls à faire des trucs comme ça. Et je trouve ça complètement débile. Franchement, la veste, je la kiffe. Elle est super belle. Et je voulais voir comment la couleur, elle m'allait. Bon, la ceinture, elle fait 15 mètres de long. Je ne comprends pas. Et pour la tournée, c'est une vraie galère. C'est un truc de malade. Bon, la ceinture, elle commence à me faire chier, je vais pas te mentir. Elle est super longue. Mais elle, franchement, bon, le haut, faut pas calculer, il va pas du tout avec la tenue. Mais la ceinture, bon, elle est super longue. Ça, c'est un truc vraiment qui m'exaspère au plus haut. Poing ! Mais elle, c'est pas grave. Elle, l'ensemble là, il est magnifique. Franchement, je suis absolument fan. Je sais pas si ça me va. Je trouve que c'est pas trop mal. J'ai pas l'air trop conne là-dedans. Non, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Hashtag Tata Premier Ministre. Ah bah on m'a dit que je ressemblais à Rachida Dati en brune. Oh, débarque. Enfin, c'était rigolo. Bref, à chaque fois que je vois mes bras maintenant, je pense à la meuf qui m'a dit comment il fait ton mec avec tes gros biscottos. Si elle savait comment je les kiffe mes bras. Et comment mon mec est fier de moi, Ranzali Web. Eh, franchement, j'adore cette couleur. Je trouve qu'elle me va bien autant. Je sais pas, dites-moi si je me fais des films. Mais franchement, la qualité, les filles, de cet ensemble. C'est incroyable. Sincèrement, c'est la doublure et tout, c'est hallucinant. Par contre, Chine, il faudra penser à un moment donné qu'on n'a pas un corps qui fait 15 mètres de... Enfin, je sais pas, tu vois, qu'est-ce qu'on fout avec la ceinture. Je sais pas. Bref, là, la coupe du pantalon et tout, bon, il est trop grand pour moi. Il y a un petit pli ici, il y a 2 petits boutons qui font hyper classe, je trouve. Tu vois, il est bien repassé, ça fait entrer dans la longueur, ma foi. Il y a de la marge, donc j'aurais pu prendre du XS sans problème. Franchement, il est merveilleux. Moi, ce que vous en pensez. Et même cette veste avec un petit jean, franchement, ça passe crème, quoi. J'apprécie particulièrement. Non, franchement, il est canonissime. Canonissime. Non, franchement, j'adore la coupe. Vraiment, la coupe de cet ensemble est magnifique. Très, très classe. Bref, je vais pas rester 3 plombes là-dessus, mais franchement, j'ai grave kiffé. Il n'y a rien à dire, sincèrement. La doublure Psartek Chine, parce que ça fait longtemps qu'on attendait des doublures de la sorte. Sincèrement, la doublure, elle est incroyable. Sans déconner, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Voilà. Non, franchement, magnifique. J'adore.
Gros gros coup de cœur. Petit crochet comme ça sur le pantalon, très quali. Franchement, il n'y a rien à dire. Très très quali. Donc ensuite, bon, calculez pas le haut parce que ça va pas du tout avec la tenue. Bref, ce pantalon, c'est un gros, énorme coup de cœur. C'est un pantalon avec un espèce de voilage comme ça. Quand tu marches, tu vois, ça te suit avec toi, ça fait vraiment... Oh, je surkiffe de ouf. Donc, je l'ai mis avec des sous-bats que j'avais acheté sur Zalando parce qu'il y a une pointe de doré, ma foi. Et je trouvais ça absolument magnifique. Le pantalon coûte 22 euros. Il n'est pas transparent, il est magnifique. J'ai pris du XS, c'est parfait. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est la ceinture qui fait un peu cheap. Mais je trouve qu'avec les talons, on oublie un peu la cheapité du machin. Je sais pas si t'as compris. Sinon, tu la changes, la ceinture, elle s'enlève. Et en plus de ça, ce qui est complètement con, c'est que les passants, ils respirent plus, en fait. Tu vois, ils sont très durs à enfiler dedans. C'est un peu dommage. Mais ce pantalon, les filles, il est magnifique. Il existe en bleu roi. Et je pense qu'il doit être magnifique aussi en bleu roi. Et j'avais demandé ce petit top aussi sur Shein, parce qu'il me faisait rappeler celui de Stradivarius, ou de Pull&Bear que je vous avais présenté dans ma vidéo précédente. Je crois que je l'ai demandé en S, pour ça qu'il est un peu ample. Mais il est absolument magnifique. C'est le même délire de Strass. Ça fait pas de cheap, je trouve. Vraiment pas, pour le coup. Il est très très beau. Il est en matière côtelée. J'apprécie particulièrement. Je vais vous dire le prix. Si j'y arrive tout de suite maintenant. Ah non, ça c'était prévu pour le prochain haul. Donc le lien de ce top, je vous le mettrai dans le prochain haul. Ou celui-là, si je le trouve rapidement. Et ce pantalon, il est merveilleux, les filles. Il fait vraiment très classe, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je le trouve hyper classe. Vraiment, tu te rends compte, ta présence, t'arrives quelque part. Quelle présence il te donne. Non, mais c'est un truc de fou. J'adore. Franchement, il est magnifique. Quand tu danses, tu vois, tu danses, t'as de la... Il y a une certaine caliente, ma chérie, qui ne passera pas inaperçue. Non, franchement, j'adore ce pantalon. Après, les finitions, c'est pas canonissime. Il y a un petit fil qui dépasse. C'est pas bien grave. Mais franchement, il est incroyable. Et la qualité, elle est super agréable, vraiment. Il est épais, tu vois, ça c'est bien épais comme il faut. C'est hyper agréable, c'est fluide, c'est vraiment magnifique. J'adore. Il est absolument merveilleux, spontané. Je kiffe. Bref. On va passer à l'étape de complexemoi.com. Attends. Les complexes.com. Parce que là, je vais essayer des shorts avec vous. Et vous allez comprendre. Et ensuite, j'avais demandé un petit débardeur Shein. Pareil en XS, c'est un petit débardeur classique. Bon, j'ai pas mis le bon soutien-gorge, tout ça, mais bref. Ce top, il est magnifique et ça pourrait le faire, oui, avec une pointe de rouge sur les ongles. Un petit rouge à lèvres rouge, pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis bon. La meuf, elle l'a mis avec une chemise, moi je suis pas trop chemise bouffante. Bon, il taille nickel, par contre, je sais pas pourquoi ils m'ont mis deux ceintures, j'ai qu'un corps en fait. Hein. Et il se ferme par ici. Ouais. Par ici, pareil, il y a un petit crochet de sécurité, tu vois. Donc c'est quali quand même. On apprécie. Ensuite, on va passer au short. Que je voulais vous montrer. Ce qui me complexe, j'essaye maintenant de m'en battre les reins. Parce que je suis en train de perdre la graisse que j'avais dans mes cuisses qui me gênait amplement. Mais il faut absolument que je bosse l'intérieur de mes cuisses. C'est ce qu'il y a de plus dur à muscler. Et je travaille dur actuellement. Bref, on parlera de ça dans le bilan. Mais voilà, je vais faire ce premier pas pour me décomplexer moi-même. De me montrer en short devant YouTube. Parce que je pense pas qu'à Paris j'aurais été capable de porter ces shorts. Je sais pas. Dans la campagne c'est plus facile parce qu'il y a moins de monde, on est moins emmerdé. Parce que Paris tu peux sortir en jogging, les femmes c'est compliqué. C'est pas pour me la raconter que je dis ça, c'est pour toutes les femmes pareil. Tu peux être habillée en jogging n'importe comment, on va toujours te faire chier. Moi ça m'est déjà arrivé 15 fois de me faire suivre, de me faire insulter surtout à Châtelet. Quand un mec il dit oh, je sais pas ce qu'il te raconte. Tu réponds pas, on t'insulte. Il y a une meuf qui s'est fait tabasser sur Insta, mais ce qui est là par trois ratpailles qui l'ont défoncé la gueule parce qu'elle voulait pas se laisser importuner, elle a bien raison. Mais ce qui est là, elle s'est fait défoncer la gueule. Mais c'est aberrant, franchement, c'est aberrant qu'on puisse pas être libre de faire ce qu'on veut. Bref, quel monde. Donc, premier short que je vais vous présenter, ma foi, j'ai peur. Bref, j'ai une fierté, premièrement, parce que je savais pas du tout ma taille. Quand j'étais jeune, en Levis, je faisais du 26-32, ce qui était déjà incroyable pour moi. Donc, j'en ai commandé deux. Un en 25, un en 24. Non, un en 25, un en 26. Ouais, c'est ça. Donc, celui que je vais vous présenter maintenant, c'est du 25. Allez, Nathalie, fonce. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai jamais porté un truc aussi court de ma carrière, il faut le savoir. Hein. Mais je rêvais d'un jean Levi's, d'un short Levi's tout simplement. Voilà. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Celui-là, il me semble que je l'ai pris sur Amazon. Et je crois que je l'ai payé 30 euros.
Il y a beaucoup d'affaires sur les Levi's sur Amazon, ça vaut grave le coup. Tu vois, c'est du 25, celui-là. Et c'est un truc de malade. Et surtout que j'ai pas fini de faire. Donc j'adore, il est super beau. Mais comment te dire qu'en short, pour être à l'aise, faut pas que je bouge en fait. Dès que je marche, j'ai l'impression que tout le tirant, il regarde que ma cellulite. Non mais c'est horrible. Et je me sens super mal. Mais bref, si tu vois, si je reste immobile, ça passe crème. Bref, est-ce que j'aurais honte de mettre ça sur YouTube? On s'en bat les reins. Bref, ce short il est magnifique, je l'ai grave kiffé, il me va parfaitement. Je trouve qu'il fait. Les vis, c'est la base pour les fios. Franchement, ils te font des boules qui sont vraiment inimitables. Et mon prochain achat sur Amazon, je vais en trouver à 30 balles ou sur Vinted, ça sera un jean Levi's parce que j'en rêve. J'en rêve la nuit. Moi, il faut savoir que quand j'avais 9 ans, je faisais une 32-32 et j'ai réussi dans ma carrière à aller jusqu'au 26-32, mais pas plus bas, jamais. Et là, c'est incroyable qu'à 37 balais, je rentre dans du 25-32. On s'en fout de la taille, mais personnellement, tu vois, ça me fait quelque chose. Bref. Donc, premier short. N'hésitez pas à me dire lequel vous aurez préféré. Je sais que la longueur ne plaira pas à tout le monde, les Jets, mais j'ai jamais porté. J'ai fait une thérapie de short là pour m'apprécier un petit peu plus, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Je vais t'en montrer un tout à l'heure, je suis sortie de la salle avec lui, tout à l'heure là, et j'étais grave mal, pourtant il est plus long. Va comprendre mon enfant. Bref, premier short, on essaye le deuxième. Donc ensuite, ça c'est un short, je l'ai pris sur le short. C'est un short, je l'ai pris sur le site Levi's. Pourquoi? Parce que je l'ai payé 25 euros. Non mais c'est un truc de fou. Et par contre celui-là, comme je doutais de ma taille, j'ai pris du 26. Et l'autre que je vais vous montrer après, je l'ai pris en 25. Donc voilà. Ce short, je le trouve magnifique. Tu vois, mon problème, moi, c'est cette petite vagonette qui commence à partir. Et la cellulite, je vous assure que s'il y a une chose qui est efficace contre la cellulite, c'est le sport. Rien d'autre. On pourra te vendre toutes les crèmes de maraboutage du monde. C'est pas vrai. Il faut faire du sport, les filles. Ça, c'est incroyable. Moi, j'avais pas des jambes comme ça. Et là, je te dis, quand je bouge, voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'ai encore de la graisse et je vais la perdre. C'est quelque chose auquel je tiens et je vais y arriver. Bref. Mais tu vois, ça c'est du 26. J'ai de la marge, mais tant mieux. Parce qu'en fait, je ne savais pas du tout ma taille. J'ai vraiment pris des risques. Il est magnifique ce short, j'aime trop. Et je crois qu'il est un peu plus long que celui d'avant. J'aime beaucoup, il est magnifique. Franchement, ce short, je le kiffe. 25 euros, il y avait des soldes sur le site Levi's, j'ai halluciné. Par contre, l'autre, je me suis fait un peu rodka parce que il était moins cher sur Amazon et j'avais pas fait gaffe. Mais allez, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, franchement il est canon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais je le kiffe. C'est franchement les boules qui font. C'est exceptionnel ma foi. Donc ensuite j'ai pris celui-là qui est un petit peu plus long, qui est plus une longueur où je me sens un peu plus à l'aise, même si tout à l'heure je n'étais pas du tout à l'aise en sortant de la salle. Voilà. Il fait des fesses, encore une fois. Magnifique les filles. Magnifique, c'est la base les vis. Ça me rappelle toute ma jeunesse. Je kiffe vraiment. C'est un truc de malade. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Je le kiffe, il est super beau, il est simple, efficace. Si je vous trouve des liens moins chers sur Amazon, je vous les mettrai. Mais franchement, je kiffe. J'ai fait une thérapie short, laisse tomber la meuf, elle ne sait même pas si elle va les porter dehors, mais c'est pas grave, bah, mais bref, voilà. C'était un premier pas vers l'avenir. Donc ensuite, j'ai Pull & Bear, c'est un short Zama Mom. Ça se voit qu'il va être super grand dans pas longtemps. J'ai pris en 36 pour être à l'aise. Mais pour le coup, il est grand, quoi. Bon, ça passe parce que c'est un short, tu vois. Mais je sens que je le mets une journée, il va être vachement grand. C'est un peu dommage, j'adorais les déchirures en fait. Je le trouvais super mignon. J'avouerais qu'il est un peu plus sexy que les autres, celui-là, on va pas se mentir. Et je serais encore moins à l'aise avec ce short dans la street. Je vais pas te mentir, mais il est canon. 25 euros chez Pull & Bear. Il est canon, mais je sens qu'il va être super bien dans pas longtemps. Et je suis pas trop fan des shorts un peu évasés comme ça où ton boule, il y a la place de passer une mimine, quoi, tu vois. Bref, mais il est beau. Franchement, il est beau, il existe en bleu aussi. Et tu vois, ça, c'est un... Ouais, il va être trop grand, ça me fait un boob ici. Quand ça fait ça, c'est mort. Pardon pour ma vulgarité, c'est ma façon de m'exprimer, et je m'exprime comme je veux. Je sais très bien m'exprimer dans les lieux un peu huppés. Oh, t'inquiète pas que je me glisse. T'inquiète même pas. Bref. Nathalie, là, tu pars en vrille. Ça, c'est un short Pull & Bear. Encore, je l'ai pris en 36 et on va essayer ça tout de suite, mais il ressemble vachement aux Levi's, quoi. Il coûte 19 euros celui-là, il coûte pas cher. Il taille un peu beaucoup plus petit que les autres, hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec. Je sais pas, je comprends pas, mais bon. C'est du 36. Bon, je pense que c'est parce qu'il est neuf, les autres aussi, remarque, je sais pas. 36. Il est un petit peu échancré ici.
Il est court, hein, je vais pas te mentir, je me sens mal à l'aise. Je préfère mon cul dans les jeans Davis, je vais pas te mentir non plus. Oh putain, mon cul devient dur, c'est un truc de ouf. Bref, voilà, je suis pas du tout à l'aise. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ah non, mais là, t'imagines, je marche. Non, non, je peux. Hop. Bref, affaire à suivre. De toute façon, je vous montrerai dans la vidéo de lundi prochain où je fais mon bilan de, du premier mois de diète et de training. Et on en reparlera et je vous montrerai de quoi je suis partie dans mes cuisses. Donc ça va beaucoup mieux, c'est pour ça que j'apprécie un petit peu mes cuisses. Mais c'est pas gagné, entre elle et moi, il y a encore un conflit assez spécial. Donc le dernier short, c'est celui-là, c'est celui qui taille le pire archi mal. Mais je préfère avoir des trucs un peu trop serrés que trop larges. Parce que quand on a des trucs trop larges, on a tendance à les remplir à un moment donné. Et voilà, moi c'est pas mon but. Je veux perdre mes derniers kilos, on n'en parle plus. Après je vais stabiliser ma carrière et c'est tout. Tu vois, c'est tout ce que j'ai besoin. Bref. Donc on a toutes des complexes. Les complexes c'est propre à chacune, à chacun. Nous, quand t'as un complexe, tu vois que ça. Donc voilà. C'est comme ça les girls, c'est comme ça. On a toutes des complexes. Je suis loin d'être parfaite, la perfection n'existe pas. Et nous les meufs, on a toujours quelque chose qui est à se reprocher, tu vois. J'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Bref. Bon, le jean de chez New Look, franchement, je vous le déconseille. C'est une horreur. Je sais plus. Il m'aplatit le zoc comme jamais. Je crois que je l'ai pris en 36, ouais, c'est sûr. Il m'aplatit le zoc comme jamais. Il me fait un cul dégueulasse. Mais tu vois, quand je perdrai encore, eh ben, il m'ira mieux et je serai satisfaite. Déjà là, j'ai moins lutté que la dernière fois pour le rentrer. La dernière fois, je l'ai rentré, j'arrivais plus à sortir, j'ai mis 5 minutes à sortir. Là, je suis rentrée, ça va, toi. Mais je sens que. Faut pas que je pète, quoi, tu vois. En plus, ça me fait ressortir un coche parce que ça me rentre. Je comprends. On va essayer ensuite un dernier ensemble que j'ai kiffé sur Asos. Et franchement, il est magnifique. C'est un petit ensemble qui fait un peu boxe, tu vois. Même si je fais pas de boxe, j'aime bien. Donc, dernier article de ma commande Asos. Je vous mettrai tous les liens. De toute façon, je sais plus. Il y a 3 articles sur Asos. C'est cet ensemble que j'ai trouvé absolument magnifique. En fait, c'est la marque Collusion. Tout le monde en parlait. Je me suis dit, je vais tester. Bon, il n'y a pas de poche, c'est pas grave. Je l'ai pris en 34. Et je le kiffe. On est vachement à l'aise dedans. Il est un peu transparent. Bon, là, j'ai une couleur bleue. Donc, tu peux pas mieux faire pour être transparent. Mais voilà, il est magnifique. La qualité est magnifique. Je kiffe. Ça, pour sortir de la salle, je kiffe, tu vois. Je suis à l'aise. T'as pas chaud. Franchement, j'adore cet ensemble. Il est super classe, je trouve. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, bientôt je vous ferai une vidéo parce que comme je vous dis je suis en thérapie short et j'ai voulu tester ceux de Shein, donc j'en ai pris 2 je crois, dans le prochain haul Shein. J'ai fait des tenues, j'ai vraiment des tenues et j'ai pris des leggings pour ma copine pour lui montrer que c'est de la bonne qualité et je veux qu'elle essaye, donc voilà. Ça fait plaisir de faire plaisir à mes copines tout simplement. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui mes petits sacs, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle tenue vous avez préférée, franchement il y a zéro faux pas là-dedans, c'est un truc de malade. Ouais, il n'y a pas de truc que je kiffe pas, sauf ce jean New Look avec une taille assez bizarre. Je l'ai pris en 34, mais il faut pas déconner quand même. Je sais pas, une taille très bizarre. J'aurais dû prendre en 36, j'étais con. Mais c'est pas grave, il ira un peu mieux plus tard. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci en tout cas pour vos petits mots d'amour et de ça, vous êtes trop mignonne. Et je tenais à dire un truc parce que je sens qu'on va me le sortir. Et je voulais faire une intervention sur ce phénomène de société. Un mec qui te dit tu sors pas avec ça, mais en fait tu le tèges le mec. T'as rien à faire avec un mec comme ça, parce que ça commence comme ça, après ça fait ça, après ça fait ça, c'est mort. Après le mec il te mange, et le mec laisse tomber. Ça peut arriver une fois que vraiment, voilà. Mais il n'y a pas moyen que le mec il te dise tout le temps, ah, tu mets pas ça, tu sors pas comme ça. Non, non, t'es pas mon daron en fait, je fais ce que je veux. À partir du moment où tu te respectes et la personne a confiance en toi, tu peux t'habiller n'importe comment. Et la vulgarité, c'est dans la tenue, c'est dans la manière de se comporter. C'est pas dans le vêtement, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, salam alaikum les gens, prenez soin de vous. N'hésitez pas à dire si je suis moche comme un pou, si ça me va bien. Et voilà, quoi, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et je continuerai à fabriquer mon corps. Et on se retrouve lundi prochain pour le bilan de mon premier de mon premier mois de sèche et de diète, de nouveau training. Je suis à fond dedans, je suis grave motivée. Et voilà, je vais avoir le corps que je n'ai jamais eu de ma putain de carrière. À 40 piges, on est frais comme des gardons. Dans 3 ans. Bref, salam alaikum et jeunes. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes trop mignons.
Franchement, un truc de ouf, vous êtes trop trop mignons. Et malgré les 2-3 habits du web, vos commentaires me font grave du bien. Vous êtes trop mignons et franchement, merci pour la communauté que j'ai remplie d'amour et de bonnes vibes. Salam alaikum les gens. Le temps est bleu, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bleu, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Hey one, salam alaikum les gens. Depuis tout à l'heure, je l'ai dans la tête, j'étais obligée. En plus, les paroles, ça m'a outré quand j'ai écouté les paroles. Je dis, qu'est-ce que fais-je, t'as deux amoureux? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est pas grave. Le temps est bleu, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Allez, on retourne en cuisine. Salam alaikum, les gens. Je vais manger, j'ai faim. Tiens, avant de partir, je vous montre un peu la cheapité de la ceinture. Je sais pas si vous allez trouver ça cheap. Mais moi je trouve pas ça d'une qualité exceptionnelle, parfois. C'est vrai, ma soeur, on perd la main, mais un truc de ouf. J'ai l'impression d'être maquillée comme une chorda. Non mais je vous jure, tout à l'heure, quand je suis sortie de la salle avec mon short en jean, je te promets, j'essayais de maîtriser mes capitons et tout. Quand je marchais, c'était un bail, un concept. T'as, tu connais le concept de je contracte et j'essaye de marcher le plus nettement possible pour les capitons. Il n'y a pas du monde qui court avec moi, tu vois. Mais ça marchait pas. Allez, c'est pas grave. Assumons-nous comme on est. Voilà, c'est ça qu'on veut. On va y arriver, un de ces quatre, c'est un travail sur soi-même.